coup, je suis au bord de ma piscine. Je suis en train de regarder mes photos sur Instagram. Et il y a des personnes qui écrivent des trucs de fou, genre ouais, il y a plein d'articles comme quoi avec Thomas vous êtes séparés. En fait, ça n'a rien de dire ça. Thomas et moi, ça fait 8 ans bientôt qu'on est ensemble. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je suis avec lui. Lui et moi, c'est indestructible. Alors oui, parfois on se parle pas, ça arrive. Et vu qu'on est sur Snapchat tous les jours, bah ça se remarque. Ouais, on voit que vous parlez pas et tout, parce qu'on joue pas un jeu en fait sur Snap. On va pas faire genre oh trop bien, ça va mon amour, alors qu'on est en guerre. Moi, je joue pas un jeu, hein. J'ai 28 ans, je suis pas là pour faire du théâtre en fait. Donc oui, parfois ça arrive qu'on se parle pas, qu'on s'énerve, qu'on se supporte pas. Je pense comme tous les couples, hein, à part si. En fait, ce genre d'article, ouais, ils sont séparés et tout, on le vit depuis qu'on a 20 ans, enfin depuis que moi j'ai 20 ans. Ça me fait rien du tout. Enfin, vous pouvez le faire jusqu'à demain, je m'en fous. Aujourd'hui, on est mariés. J'ai mis ma bague parce qu'on a fait la paix. Oui, on se parlait pas pendant 5 jours. Oui. Waouh. Sur 8 ans, peut-être qu'on a été séparés sur 8 ans. On a peut-être été séparés pendant, allez, 6 mois. Je suis très large. On va dire 6 mois. On est 24 heures sur 24 ensemble. 7 jours sur 7, on se supporte, on s'aime, on est fou amoureux. Mais quand je vous dis fou amoureux, ça veut dire que quand il y a des embrouilles, bah ça pète parce qu'on s'aime trop en fait. Tellement qu'on s'aime, je vais pas vous dire nos problèmes et tout parce que je respecte mon mari et que c'est personnel et que j'ai pas besoin de ça. Mais voilà, les gens qui mettent des commentaires, oui, ils sont plus ensemble, etc. Enfin, redescendez en fait parce qu'on s'aime plus que tout. Depuis 2013, genre depuis 8 ans, genre je pense que.